Bon alors je sais pas si je devrais vous diffuser cette vidéo, tellement l'humiliation est brutale, je sais pas si ça a sa place sur YouTube, ce genre de contenu. Je pense que ça risque de finir interdit au moins 18 ans, mais tant pis, je prends le risque. Une activiste trans est venue défier Charlie Kirk, ça tourne mal. Comment vous appelez-vous ? Ça ne vous regarde pas malheureusement. Ok, bon bah, bonjour, ça ne vous regarde pas. Merci, enchanté. Alors comme ça, vous aimez l'Amérique ? Oui, absolument. Je déteste l'Amérique. Chaque pays des États-Unis devrait être un pays indépendant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attends, je voudrais te demander quelque chose avant. Vu que tu détestes le pays, est-ce que tu as prévu de partir ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu as prévu d'aller vivre dans un autre pays ? Non. Laisse-moi te dire une bonne chose. L'Amérique, c'est le seul pays où même si tu le détestes, tu refuses quand même de partir. C'est comme ça que tu sais que tu vis dans un pays génial. Ouais, merci. Est-ce que je pourrais avoir une casquette ? Non. Mais laisse-moi te poser une question, ça ne vous regarde pas. Pour qui est-ce que tu as prévu de voter ? J'ai prévu de voter pour Kamala Harris. Pourquoi ? Bon, mais je veux dire, vous avez répondu à ma question, il y a plein de gens qui attendent, je vais y aller. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est la plus grande chose que tu as fait dans la vie ? Non, je peux pas. Ok, donne-moi ne serait-ce qu'un seul de tes accomplissements. Non, je peux pas. Je veux partir. Bon, comme c'était vachement court comme vidéo, j'en profite juste pour vous dire que sur les prochains épisodes des aventures de Charlie Kirk, je vais plutôt me concentrer sur les débats directement politiques entre les démocrates et les républicains, les pro-Trump et les pro-Kamala, parce que vous le savez, les élections américaines approchent à grands pas, et donc je pense que ce sera très instructif. À la prochaine !